Si, regarde, non mais t'as vu le prix des pastèques? Grosse immersion en Espagne à Aldi. Oh. Troisième nuit de road trip et on a eu une très longue journée. On fait beaucoup de route, en plus on n'a pas la clim et de ce fait il faisait chaud, il y a des moments il faisait 36. Donc dans la voiture quand t'es sur l'autoroute, bah, t'ouvres pas tes carreaux parce que voilà, quand t'as les voitures qui passent et tout, c'est trop désagréable. Et je suppose que s'il faisait 36 à l'ombre, il devait faire vraiment chaud dans la voiture. Donc c'était vraiment un voyage éprouvant. Ce soir, on est dans un camping et après une demi-heure, on s'est déjà fait bouffer par les moustiques. Je dois avoir une trentaine de piqûres de moustiques. Là, j'en ai une juste là. J'ai la même de figurer. Bastien, il en a une sur le front. Et les gens, même au travers du legging, c'est passé partout. J'en ai... j'en peux plus. Bastien a attrapé une tourista. En fait, on avait apporté de l'eau dans des bidons. Et c'était de l'eau de notre fontaine. Et c'est de l'eau qui n'est pas traitée. Avec la chaleur du trajet, ça a dû tourner. Moi, j'en ai pris, ça m'a rien fait. Mais lui, il s'est... ça lui a retourné le ventre et voilà, il est au bout de sa vie et du coup là il est content qu'on soit dans un camping pour pouvoir... se faire piquer par des moustiques? Non, ça j'ai déjà raconté. Enfin bref, hashtag VDM de ouf là. Et sinon voilà, en fait on est dans un camping au milieu d'un marais, ce qui explique je suppose tous les moustiques, mais c'est un petit coin vraiment super sympa, il n'y a pas beaucoup de monde. Et malgré tout je pense qu'on va quand même rester qu'un seul jour parce que là vous voyez comme je suis défigurée avec cette piqûre. Bastien, lui c'est Quasimodo. Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la, 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 y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Música, música, música de la República. On va rester 2 jours dans le même camping. Comme ça, ça va permettre qu'on se repose un petit peu, surtout pour Bastien qui a été beaucoup malade. Et puis Kylian, il peut profiter un petit peu de la piscine, on va pouvoir aller à la mer un peu plus longtemps. Parce que chercher un endroit où dormir à chaque fois, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et là, on avait aussi grosse lessive à faire, donc c'est pas plus mal de pouvoir rester un peu plusieurs jours au même endroit. Voilà. Puis ça permet qu'on se repose, parce que c'est quand même le but des vacances. Ouais, on a des bons coups de soleil quand même. Là, là-bas. Ouais, on a joué dans les vagues, c'était plutôt rigolo. Ouais, moi ça me tapait, mais ça me faisait rien grâce au mou. La plongée. Grosse immersion niveau 2. C'était ça, mais regarde, ketchup et moutarde. Quel crétin. Donc, 4e nuit de camping, 2e nuit en Espagne. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment dans un espace exigu. Mais contrairement à la nuit dernière, cette fois-ci, on s'est vraiment armé contre les moustiques. Et ce qui fait que ça n'a pas été l'enfer. Bon, on peut stresser. Ouais, mais j'avoue qu'on vit vraiment dangereusement. Arrête, t'as des mycoses aux pieds, c'est écœurant. Tu me retires ma crème de nuit. Qu'est-ce que t'as dit, mycoses ? Cela dit, ça aurait pas été du luxe d'avoir ce petit produit anti-moustique un peu plus tôt, parce que ce matin, pendant que j'ai fait la pendant que j'ai fait la vaisselle et la lessive, j'ai dû ajouter une 30aine de piqûres. Je pense que mon corps doit avoir en tout une 60aine de piqûres. Dans l'attente, on a fait un checkage de moustiques. Là, on devient vraiment paranoïaque. On va prendre ça si papa veut bien.